Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap. On est avec Ailey, on est avec Xari, on est avec Zulu et on est avec un invité. Pierre-Alain, comment ça va? Super, super content d'être avec vous. Vous avez l'air très intelligent. C'est juste l'air. Hein. L'image d'après. Rihanna. Oh putain, c'est Rihanna. Au début, j'ai vu le front, j'ai dit Zulu et je fais non, ça marche pas. Zulu est là. Qu'on salue au passage. Hein. Salut. Salut. Hashtag level up avec at. Bonsoir, messieurs, dames. Shira. Ah non, Joraya, ça marche pas. Bah non, c'est Jira. Ah bonjour, on a commencé, pardon. De quoi je vais parler maintenant? Je vais parler de papalapapapapam. En tout cas, voilà, c'était tellement frustrant que je suis même plus sûr de vouloir acheter le jeu. Si j'ai pas le jeu, c'est pas grave, genre au moins la manette. Où j'ai acheté la manette violette. 70 balles. 70 balles, ça fait mal au cul. Oui, cette manette que Microsoft a refusé de m'envoyer. J'avais fait un tweet en mode hey, les gars, elle est trop belle la manette, tu me l'envoies. Le mec, c'est mal poli de demander, j'ai fait. Hello darkness, my old friend. La petite claque hein, derrière la tête du gamin. Voilà, toi, il me semble que Link a demandé et que Link l'a reçu. Oui, mais bon, Link, c'est pas Maxilda. C'est juste impoli de demander quand c'est toi. D'ailleurs, vous savez que la fameuse branche, hein, vous vous êtes foutu de ma gueule. Il y a une raison pour laquelle elle coûte 5 balles. Oui, c'est une branche classique. Que... Mais il y a un truc en plus qui justifie son prix. Donc niquez-vous. Toi, t'étais en bas, c'est une branche pour chien. Au départ, on partait du principe que c'était une branche pour chien, mais on a vu après que c'était une branche pour oiseau. J'ai bien dit, il y a sûrement une raison. Et il y en a une. Mais Max, ça se passe en France. Mais non. Nous sommes le 10 décembre 1792, en pleine période. Que je ne connais pas. Un genre de renaissance, je pense. Erreur, mesdames et messieurs. La fameuse renaissance après la révolution, on est d'accord. Il n'aime pas l'histoire, Max, les amis. Il a le droit de faire une erreur, il a le droit de se tromper. Non, je suis un connard, on peut se le dire. Voilà, je suis une sale merde. 1, 2, 3. Putain, mais je pense que ma chance était de dire qu'il restait. En fait, là, j'avoue qu'on a joué que des games où on prend beaucoup de trucs. Moi, les 8 games que j'ai fait, il y en a peut-être au moins 6. Oh, you touch my tralala. Il manque des diamants, les gars. Même les décors, c'est un parti pris, je trouve, parce que tu vois, c'est assez vieux. Hein. Et on est dans le délire, tu sais, les courses cyclistes qui étaient les premières courses en couleur, avec la petite voix comme ça. Nous sommes en 1935, alors qu'il est en train de monter le col de l'utérus. Je vous rappelle qu'il y aura 5 points accordés au meilleur chanteur et 5 points qui seront la note de style. La note de style? Exactement. Est-ce que vous pouvez danser en même temps? Bah, justement, c'est la note de style. Ah, donc moi je peux danser derrière et ça rajoute la note de style. Sur chandelier, je sais pas, je vais pas trop danser comme elle. A few inches later. C'est toi ça. Eh bien, Duchesse, nous sommes tous deux des invités de Sir Home. Tiens, voilà qui est amusant. Peut-être qu'avons-nous des intérêts communs, votre éminence. C'est la première fois que vous venez à l'une des célèbres réceptions de mes couilles. Oh que non. La première fois que j'ai vue en ouvrant Twitter aujourd'hui, c'est Stephen Hawking qui est décédé, voilà. Pourquoi tu fais ce... Rien. Non, Max, il nous regarde et il nous fait... Je commence à voir Jiria qui me regarde et qui commence à rigoler. Je suis en mode non, rigole pas, c'est pas le moment, gros, ne rigole pas maintenant. Mais parce que moi, quand j'apprends que des gens meurent, je sais pas pourquoi, je rigole. C'est nerveux. Oui, c'est nerveux. Eh ben merci à toi, Vince, en tout cas, pour cette chronique. Je vous propose qu'on passe à la suivante. On va parler des news. Ben pourquoi pas. Pourquoi non, tu veux pas? Non. T'as pas envie? Ben on peut passer à la suite. Alors, les trucs d'Ailey, vas-y. Ben gros. Go, t'as pas envie, hein, on va changer l'ordre. J'ai pas un paquet de chamallows, et comme on va faire du doublage, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois on fait une erreur, soit de personnage, soit de prononciation, on continue la phrase avec un chamallow dans la bouche. C'est pas forcément évident. Et que soi-disant, dit en passant, ressemble plus à un caillou qu'à une île. Tu t'es gouré. Il va quand même falloir qu'il m'explique comment il a réussi à vous perdre. C'est chiant de manger. C'est chiant, hein. T'en as pris deux en plus. Le chat a l'air de trouver que j'ai été extrêmement désagréable. Avec je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais c'est pas vrai. Mais apparemment, j'ai dit quelque chose mais de terrible. Non, il a été super. T'es un peu con, mais t'es pas désagréable. Et on est parti au diplomate. Là, tu dois choisir trois compétences. On a l'étiquette, conviction, politique, la diversion et la linguistique. Putain, c'est hyper intéressant. Désolé si j'ai overreact cette réaction. Putain. Mais je pense sincèrement ce que je dis. Et petite pensée à Solaria, ils sont en Corée avec la 5G dans le métro. On les salue. Et nous, on a deux barres. Ça me rend tellement fou que dans un pays comme. La France! C'est quand même pas un trou paumé dans le monde, c'est quand même pas un pays qui a pas de thunes, c'est la France! 2018, Coréens, ils peuvent DL un film en Blu-ray en 4 secondes dans le métro, et nous, on n'arrive même pas à envoyer un texto. On est vraiment. La France! Vraiment, on est des tâches technologiques. On est hyper fiers de la French Tech parce qu'ils sortent des trucs de ouf et parce qu'il y a je sais pas combien de sociétés qui sont là au CES à montrer des innovations françaises et tout. Putain, on n'est pas foutus d'envoyer un texto dans le métro, quoi. Mais Max, elle est où la France? Elle est là.
Non, je suis un connard, on peut se le dire. Voilà, je suis une sale merde.